Bonjour les amis. La viande de bœuf de première qualité a une couleur rouge. Son grain doit être fin, sa chair consistante et élastique au toucher, lisse et veloutée. Elle doit être veinée, marbrée de graisse. Les stries de graisse ont une couleur qui va du blanc au jaune clair selon la race, l'âge et l'alimentation de l'animal. Cette chair trouve son point d'esculence quand le bœuf est abattu entre 4 et 6 ans selon la race. Cette viande est sans conteste la plus savoureuse et la plus nourrissante car l'animal est à point. Les viandes de deuxième qualité ont une couleur plus sombre, la graisse tire sur le jaune. Le rognon est apparent. La loyau, qui comprend le train de côte avec le filet, le contre-filet, la hampe, l'onglet dans la cuisse, la tranche grasse, le tendre de tranche et le gîte à la noix. Située en haut du globe, la culotte et la bavette donnent d'excellents biftecs juteux. Dans cette catégorie se trouve la surlonge en avant du train des côtes qui comprend les trois premières vertèbres dorsales, le plat de côte découvert. La bête abattue est débarrassée de sa peau par insufflation d'air entre le cuir et la chair. C'est ce qu'on appelle le brochage, précédé de l'habillage, lequel consiste à ôter les cornes et les pieds. Après avoir enlevé la tête, la queue et les abats, on dépouille la peau en la fendant sous l'abdomen. Comme le bœuf, le veau est découpé verticalement en deux parties, comprenant chacune un quart postérieur, le meilleur et un quart antérieur. La viande de veau, de première qualité, a une couleur rose pâle et sa graisse est blanche. Les rognons, ailes et lombes doivent être couverts de graisse blanche. Sa saveur est délicate, mais elle est moins nourrissante que la viande de bœuf, car elle provient de bêtes de 8 à 10 semaines. Dans la deuxième qualité, la chair est rougeâtre, l'épaisseur de graisse moins abondante, signe de qualité inférieure. Il s'agit d'un